Et bonjour à tous. Bon, je viens de me lever, donc j'ai un peu la voix dans le pâté. On va repartir tout de suite sur la suite d'Half-Life 2. On est sur la troisième partie du coup. Wolfer, je pense que ça va être. Je pensais pas que ce serait aussi long que ça, mais du coup c'est cool parce que ça permet de prendre son temps en fait, tout simplement. Donc, je vais changer la scène, je vais remettre le son, puis on va repartir tout simplement sur. Sur Half-Life 2. Là, on a fini la prison de Nova Prospect. Alors, la scène. Toc. Donc, on a fini la prison de Nova Prospect. On a donc le père de Alix Vance qui a été téléporté avec le docteur Mossman, je ne sais plus où. Et aussi à la citadelle. Et donc le but là, c'est d'aller les, bah, en gros de les retrouver. Donc on va aller à la citadelle, à la cité 17, tout simplement. Zou. Et je suis accompagné de chiens pour le moment. Zou. Allez, on est parti. On va débrancher ça. De cachette ou de machin qui serait intéressant à trouver. Bon, déjà, on sait qu'il y a un hélicoptère dans le coin. Pas content le chien, dis donc. Ah ouais, il est vénère comme ça. Ok, j'avais su, j'aurais rien, j'aurais pas claqué mes munitions. Putain. Alors, bah, je crois qu'il faut aller par là de toute façon, donc tu vas ouvrir la porte, hein, t'es gentil? Bah ouais, t'es gentil. Ouais, c'est un bon chien, chien ça. Je pense que c'est là, je pense que c'est par là. Oh, le bug! Yokata! Je sais pas. Là, je vais faire à mon avis un bon 3 heures de 3-4 heures de Half-Life. Donc au moins jusqu'à 18-19 heures. Peut-être ce soir, mais pas en stream. What? Gordon Freeman, il était temps. Bon, je pense que c'est par là. Ça a l'air assez simple pour l'instant. Ah, mais c'était là où on était au début. C'est là, regardez, là c'est la gare où on est arrivé au tout début. Mais tu cheats, hein. Tu m'as vu dans la fumée. Grâce à vous, Dr. Freeman, on va enfin pouvoir avancer. Ok, bon bah c'est parti. On fera de notre mieux, Doc. Alors, t'es mignon à me Où suivre est-ce qu'on comme doit ça? se mettre, Dr. Freeman? Bah dans ton cul, connasse! Je sais pas où faut aller donc t'es mignonne. Ok Doc, c'est vous le boss.
Ah. Ah. On est avec vous, docteur Freeman. Oui. N'hésitez pas à c'est nous faire bien. signe. Oui, d'accord. Mais je sais pas où faut que j'aille en fait. Ce serait cool de m'aiguiller. Allez, poussez-vous. Pardon, doc. C'est quoi? Me cassez pas les couilles. Allez, c'est vous le chef, doc. Et puis voilà. Voilà. Unité tombée A, zone 404. 4 à toutes les unités, obéir code 3. Allez, viendez les copains. Bon bah ils veulent pas venir. Putain. Oh la bande de cassos que je me tape quoi. S'il te plaît. Ah bah ils sont là. Hop, deux petites secondes. Voilà. Hop. Attention aux mines, il y en a partout. Ouais. Ne cachez pas les mines, Dr. Freeman. Elles seront utiles contre le cartel. Crabe de tête! Si vous arrivez à prendre ces mines sans les faire sauter, vous pourrez les poser où vous voulez! Ah, il va y avoir les tripodes. Hey, ah, c'est trop stylé les tripodes. Ah, j'adore. J'adore ces trucs là, ils sont magnifiques. Là-haut. Bonjour. What? Ah. Je l'ai eu. Mon cul, tu l'as eu, bâtard. C'est moi qui le bute, ah, je l'ai eu, super! Je dois recharger! Ah le bâtard! Ah putain, je l'ai vu au dernier. Comme ça? Comme ça, regarde.
Oui. Vaut mieux charger. Faire du vieux signal pour une unité de protection. Héros 4. Bon, hé, poussez-vous, putain, bande de cassos. Et quoi? Allez là-bas. Voilà, ça c'est fait. Oh putain, il me casse les couilles les bonhommes là. Chargement. Quoique, j'ai pas été vérifié par là-haut. Oh. Bonjour. Mais non, c'est pas des zombies, regarde, comme ça t'as une belle pastèque. Bon allez, poussez-vous, y'a rien d'intéressant ici. Pourquoi tu l'attaques? Mais t'es con! Allez, déclenche pas là! Dans ta gueule, bâtard! Faut que j'aille par où? Faut que j'aille par là en fait. Bah, j'en ai un qui vient de mourir. Ah là là, quelle bande de cassos. Non, c'était pas par là en fait qu'il fallait que j'aille ici. Pardon, Freeman. Dégagez, putain. Je vais les buter, je crois. Il me saoule. Ouais, ok, c'est comme ça. Oh non, mais on veut pas de toi, putain, dégage. Dégage aussi toi. Oh pardon. Allez qu'il crève là. Non, dégage, j'en veux pas. Crève, tu connasse. Comment il me casse les couilles là? C'est un truc de malade. À être partout dans les pattes, dégage, putain, t'es cuit, dégage. Trousse de secours.
protection civile. Elle est où la mine? Ah, elle est là. Bonjour! Oh là là! Oh là là! Peut rentrer, messieurs, s'il vous plaît. Putain, t'es qu'il y a... Ah merde, c'est vraiment ça. Bon. J'ai une porte. Hop, hop, hop. Ouais. Je dois recharger. Ah ouais. J'aurais pu faire ça dès le début en fait. Oh les bâtards. Barre-toi. Je dois recharger. Oh. Oh. Je suis blessé. Prenez une trousse de secours. J'ai pas compris, Kata. C'est pour éliminer quoi? Les méchants? Les membres du cartel là? Oh, Joseph, j'ai mes copains qui le font. Eh, hey, putain, mais allez vous faire enculer, monsieur le directeur. Ah, ma jambe! Eh, je te jure que je vais les buter, les mecs. Putain de bordel de... Tenez, soignez-vous.
Ah. Coup de secours. Ah ouais non mais là ils sont super relous quoi. Putain de bordel donc. Et tu sais quoi? Allez là-bas, crevez, me faites pas chier putain. Putain. Bon, je mange en même temps, hein, je prends mon goûter, vous m'en voulez pas. Ou mon petit déj, je sais pas. Bon, je pourrais le qualifier mais... Putain d'enculé, je t'ai dit de te barrer. Eh sérieusement les bottes là? Pardon. Mais putain de... Ils me reloutent les mecs quoi. Mais non mais arrête. Alors on va aller voir par là. Il y a quelque chose d'intéressant. Ça se trouve c'était au-dessus hein mais... Je sais pas. Hey Doc. Hey, c'est Freeman. Suivons-le. Oh non, mais allez vous faire enculer, putain. Je peux pas les buter. Ah non, je peux pas les buter, putain. Mais dégagez, putain. Qu'est-ce qu'ils sont relous les types quoi. Alors. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu crois que les types vont me suivre si elles laissent le cadenas fermé? Ouvrez la porte! Oh merde, putain, on va faire un petit opinion. Sérieux, j'en suis débarrassé? Oh, c'est trop génial! Et bah alors, on est bloqué comme des cons, hein!
donc ça c'est cool. Tu vois, la musique veut dire tu vas te faire défoncer, petit bâtard. Ah ouais, le tripode. Faut que je passe par ici. Bonjour. Gordon Freeman, c'est bien vous? Émile, je pose des charges pour ouvrir tout ça. Bon bah du coup je retrouve hein, ça fait chier. C'est bon, t'as fait péter le truc toi? Bon d'accord. Je vous suis. Bah ouais, est-ce que j'ai le choix? C'est fermé de l'autre côté, docteur. Vous avez peut-être une solution? C'est pas beau là-dedans. La combi va être utile. Allez, penche-toi là. Voilà. Ah, bonjour. Bonjour. Ah ouais, je suis intelligent. Ouais, ok, ça a l'air. Voilà. C'était où qu'il fallait que j'aille? Moi,
ouvrez cette porte. Je vois que vous vous en êtes tiré. Je m'en doutais. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Moi je suis un ouf. Putain, on peut pas manger tranquille, il y a un chargement à chaque fois quoi. Attendez-moi! Non, non, mais je veux pas. Ouch. Ils sont en train de nous bombarder. Continuez de surfer, man. Vous arrivez et je vous barre-toi, putain de botte à la con. J'adore ce bruit. J'adore les tripodes. Alors ça par contre c'est mon truc préféré. Par toi. Bah, faut aller par où? Bonjour. Hey, c'est Freeman. Vous ne partez pas sans moi. Ah ben voilà. Attendez, docteur Freeman. Ah oh mais non! Vous êtes obligé de tous venir vous faire chier là. Ok, venez! Alors, ouais. Alors, on descend pour remonter. Ça, c'est original, dites donc. C'est bon, c'est fini ou... Oh là 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 là, et ils vont me casser les couilles longtemps avec leur crabe à la con là. Derrière vous! Mais non, y'a rien derrière moi, mais t'es con. Ça va me faire chier ça, hein. Attends, mais on peut monter là-haut. Enfin, ça paraît logique de monter en haut, mais... Ah non, on peut pas. Alors... Oh, des mines! Yeah! Coucou! On s'en fout, j'ai pas peur des mines. Regarde, tac.
Ah bon, là forcément je l'ai mal géré. Trousse de secours. Ha, je l'ai eu. Ouais. Ah, j'ai blessé. Voilà, merci putain d'enculé de botte à la con. Tenez, soyez... Ah en fait on pouvait passer par là. Oh là 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 là, ils me rendent fou ces putains de bottes quoi. Oh. Allez-y, butez-vous, moi j'arrive là. Oh le bâtard. Yatta. Alors, fusil à pompe, tac tac, putain, sérieusement les... C'est trop bien ça. Ah non. C'est bon, on peut y aller là ou on va encore nous faire chier, putain. Oh non. En fait, j'ai plus mes potes. Il est mort lui. Ok. Bon, je viens d'où? Je viens de là. Voilà. On va faire un peu le ramassage là quand même. Il doit y avoir pas mal de munitions. Tac, il y en a un ici. Voilà. Pourquoi je suis passé comme ça, comme un petit bâtard là? Donc, ça c'est bon. Ah, donc en fait, non. Aïe, j'avais pas le choix, c'était bien par là qu'il fallait que je passe. Comme ceci, et du coup là je peux retomber. Voilà. C'est bon? On peut tomber? Bonjour. Bon bon bon. Oh chargement. Puis là, il arrive mais au meilleur moment quoi. Au coin d'un mur. Super. Y a pas mieux pour se faire surprendre.
Hey. Je savais que je vous trouverais ici. Ouais, genre. Le docteur Kleiner est en sécurité. On peut rejoindre Barney. Il y a un centre de contrôle en bas. J'espère trouver des infos sur l'emplacement des générateurs. Prêt ? Allons-y. Bah ouais, attends, je me permets, je mange, non ? Putain, elle perd pas de temps, cette connasse. Bon, allez, vas-y, go. Pardon, Gordon. Eh, mais... Putain, de botte à la con. Je fais caca, tu attends? Putain, j'ai dit que je faisais caca, connasse. J'ai dû zapper plein de pièces à fouiller. La flemme. Non, et puis par là, non, y'a rien. Allez, mais barre-toi, connasse! Ok, ça y est. Prenez cette. On a de la chance. Il y a un générateur dans le square. J'ai pas compris ce qu'il voulait que je fasse, mais bon, c'est pas grave. Allons-y. Ils nous ont vus. Vite. J'ouvre cette porte et on sort d'ici. Okay. C'est un panneau standard. Allez, allez. Oh, je vais pouvoir manger tranquille. Je suis quand même un gros bâtard parce que je les laisse bosser pour moi, quoi. Oh le bâtard. Munition épuisée. Ok, 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 tiens. Ça c'est épuisé peut-être.
Allez, monte ta tête, toi. Oh, le bâtard. Eh, bah, je suis sur toi, là. Eh l'autre, comment il cheat? Il tire dans le mur. Tenez, soignez-vous. Ouais, mais barre-toi, putain de connasse. Autrefois. J'essaie de trouver un autre chemin. Là 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 là, c'est pas possible ça, hein, mademoiselle là. Parlez-moi ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas tomber. Regarde ton pied, il rentre dans la gouttière là. Oh là là, c'est vraiment du beau travail ça. Salut. On dirait qu'on peut traverser en contrebas. Allons par là. Ah non, non. Ah bah mais t'es con. Oui. Bah ouais, mais on est bloqué. Grosse maline, va.
fait. D'accord, c'était la même chose. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que ça me reloute? Voilà, je suis caché, vous me trouverez jamais. Ah bah si. Merde, pff, quel con. Bon. Ils ont tué mon copain. Ah non, ils ont pas tué mon copain. C'est bien. Et bien du coup, moi je vais sauter. Voilà. Bonjour mon copain. J'aurais même pu aller en fait, comme ça. Tiens, connasse! Je déteste les noirs. Là. Enfin, les noirs, pas. Les crabes noirs, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah, il y a un truc là. Oh, ok. Donc, il ne faut pas tomber. Putain de. Sa mère! Ben, si tu tombes, t'es mort. Donc faut pas tomber. C'est pas le but de tomber. Comment on pourrait faire comme ça? Voilà. Il y a un truc à faire là. Ouais, voilà, tu vois, il faut juste soulever ça en fait. Comme ça. Oh, les énigmes d'Half-Life 2, quoi. Elles sont vraiment stylées. Hey, salut toi. Au revoir toi. Oh, ouais, il y a plein de noix. Ouais. Non. What? J'espère que c'était bon. Ah non, il y en a encore d'autres qui sont tombés, non? Allez, on y croit. Eh mais, t'étais pas là tout à l'heure, toi. Mais pourquoi il y a encore des putains de trucs noirs? Allez, mange ça, voilà. Bah, j'ai pas le choix. Hein.
bah, je pense qu'il faut que je saute, donc je vais y aller. Salut! On sent que j'ai pas la confiance, hein. On le sent bien. Ah ouais? Non, 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 putain de sa mère! On peut pas être tranquille dans ce putain de jeu, quoi. Une échelle, d'accord. Je crois que je t'avais pas entendu, toi. Putain, connasse. Pour l'instant ça va. Je crois qu'il y en a déjà vu du bruit tout à l'heure. Voilà, regarde. Regarde-moi cette connasse là. Hein. Salut connasse. Elle est où ta copine? Je sais que vous êtes deux. Non, en fait non. Ok. Genre de grands endroits vachement vachement espacés, ça c'est le signe d'un combat généralement. On va essayer de d'être en mode. Ah, il y a des trucs là-bas. Allez, on y va. Ah, le bâtard, j'en étais sûr. Ah, putain de ta mère! Bah, il est où? Putain, on peut pas être tranquille dans ce jeu, quoi. Ok, salut, oui, oui, c'est bien. Tu veux jouer avec moi? Viens jouer avec moi, viens, viens. Allez, viens, regarde, 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 regarde tout ce qu'on peut faire. On peut s'accrocher au mur, par exemple. C'est cool, non? Yo Winnie, 3 HE pour un crabe, ouais t'as vu ça. Bon, la première je l'ai fail, la deuxième bah je l'ai mis dans le coin où il était pas. Ouais mais c'est les crabes noirs, 3 HE c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est la base en fait, tu vois. Après je vais faire un... Avec tous les replays sur YouTube je vais faire une playlist, ça va être marrant franchement. Oh voilà, bah, ça c'était sûr. Ça va être épique Half-Life 2 playlist. Eh, hey, on peut pas être AFK tranquille là. Hein.
C'est quoi ce jeu là? Tiens, qu'est-ce qu'il s'est mangé? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, on tente le coup ou pas? Bon, ça n'a donc servi à rien ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Allez, maintenant. Tu repars. What? T'es où? C'est pas possible ça. Franchement là, ça va le faire. Il est toujours accroché à son mur. Je suis pas là. Mais non, mais j'ai dit que j'étais pas là, putain. Et lui, il a spawn. Bon, je pense que c'est par là qu'il faut aller. De cette manière. Et donc, non, pas du tout. Alors, réfléchissons. Il y a une échelle ici. Donc logiquement, qui dit échelle dit... Oui, non. Non. Eh, vous me cassez les couilles les gardes. C'est pas possible ça. Donc logiquement... What? Ah cool! Oh, si le machin il avance tout seul, hein. Ça c'est super. Mais je peux pas monter là. Je feinte et que je monte là comme ça. Et auquel cas je rate. Alors, on va utiliser la ruse. Non, je suis caché, c'est pas moi. En fait, j'avais pas besoin du chariot. Mais il est où lui? What? Tu peux pas me le dire plus tôt que t'étais là, espèce d'idiot? Ouais, c'est la fête, c'est la fête. Ok. Mais donc faut que j'aille par là. Ah, faut que j'aille par là. Ou pas. Il faut que j'aille là. Oh, une mine. Cool. Des candidats à la mine. Non. Docteur Freeman, Bardet a dit que vous arriviez. Les snipers nous ont séparés. Ils sont coincés dans un entrepôt plus loin. Allez-y, ils comptent sur vous. Ah, mais t'es mort.
aussi, toi. Oh là là, il est nul ce sniper. Alors, je suis là. Ah bon, là, ok, d'accord. Okay. Non, mais... Ouh. Ah mais il y en a plein partout, c'est super. Ok. Pourquoi je peux pas sprinter sa mère là? D'accord, et donc fallait que j'aille par où? On va faire un truc simple déjà, c'est ça. Merde. Voilà. Déjà ça fait moins 1. Ensuite. Suivant. Salut. Vous êtes le pote de Barney, non? Vous pouvez peut-être l'aider. Les snipers l'ont coincé sur le toit. Il cherchait des grenades cachées, mais il les trouvera pas maintenant. Allez, docteur Freeman. Allez, tout le monde. Comme ça? Yeah! Merci pour le feu! J'ai pas vu qui c'était. Hanoï? Non, je peux pas avoir le sniper Winnie. On avait déjà essayé avec Kata la dernière fois et ça n'avait pas fonctionné. Monsieur? Et barre-toi, toi! Je crois que j'ai pas le choix, hein, faut que j'aille dans l'eau. Être en sécurité ici. On savait pas que c'était infesté. Les autres sont montés. Ils ont tenté leur chance avec les snipers. Je crois qu'ils sont encore là. Des zombies! Mais non, mais laisse-les venir au corps à corps, connasse. C'est fini. C'est plus facile. Ça va, on s'en fout. N'oubliez pas de recharger, docteur. Mais oui, je recharge, connasse. Oh là 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 là, sérieusement quoi. N'oubliez pas de recharger. Ah bon? J'avais pas fait gaffe, tiens. Ouvrez-moi, je recharge. Mais c'est bon, il y a le sniper, il est plus, regarde. Lol, Winnie. Oh, ce qu'elle s'est mangée. Oh putain, c'était trop épique. Merde. J'ai chié ma grenade. Salut. Attention. Merde. Oh, ça rentre pas, bon bah. Ouais, bah ouais, non, mais c'est ça, Kata, quoi, c'est trop marrant. Y'a pas d'autre sniper là? Non, sérieusement? Y'a pas d'autre sniper là? Tes clients, non? Tiens,
Oh bah non, y'a pas d'autres clients. Par ici. What? T'es où? Ah, il est là, pardon. Je peux pas bouger, les snipers m'ont touché. Gordon, balancez-leur des grenades, ça les calmera. Oui, d'accord, mais il y a plus de snipers là. Ok, 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 il y en a un là, ok. Je suis mort, je suis mort. Voilà, je suis mort. C'était logique, c'était très logique. Non, 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 non. Il est où lui? Il est où le machin noir là? Putain de Taras, t'es où? Oh putain. Ouais mais non, 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 non. T'es où? Ok, t'es là. Grenade. Hop là. Bonjour, bonjour. C'est pour une petite grenade. Oh, oh là, celle-là elle est un peu ratée. Genre comme ça. Attention. Voilà. Ok, merci Gordon. On fiche le camp d'ici. On fiche le camp d'ici. Certes, certes, mon ami. Ah bah c'est toi qui viens, d'accord. Vous êtes le héros sur le retour, Gordon. Bah ouais, j'ai pas vraiment le choix en fait. N'est-ce pas? D'accord. Non, 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 non. Des putains de crabes noirs. Grâce à mon statut, je peux obtenir des autorisations. Wow. Vous avez pas entendu un chat? Non, c'est pas un chat, mec. Ce truc me poursuit. Please, quoi. Et les suceurs de tête, Gordon. Oui, mais je m'en occupe, connard. Putain. Bon, 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 bon. On y arrive tranquillement. C'est pas facile, hein. Je dois vous avouer que... je ne suis pas du tout en confiance. Je suis pas là. Une tourelle. Ah bon, vous avez pas remarqué. Voilà, ça m'a démoli de bonheur. Il y a un vieux bâtiment par là. Une banque, un musée, quelque chose dans le genre. Je ne sais pas ce que c'est, mais maintenant, il abrite la milice de Cité 17. C'est une sorte de problème. Ah ouais, je me rappelle de ça. Ah oh, putain, ouais, je me rappelle de ça. Voilà, c'est ici, le nez.
Lexus de la milice. On dirait qu'il se mobilise. Vous apercevez la porte ici. Je vais vous montrer. Ah oui, oui, on voit bien la porte. Il faut passer dans ce bâtiment pour ouvrir les portes. Uh-huh. Et même là-bas, le champ de suppression, disons, supprimera tous les arrivants si on ne l'éteint pas. Allons-y. Oui, d'accord. Je cherche des... Je cherche des roquettes, s'il vous plaît. Des roquettes, merci. Je crois que c'est mort. Comment avez-vous pu tout gâcher ? À terre ! J'ai rien senti. Je suis touché. Waouh, c'est quoi ce truc ? Attention ! Je ne peux pas soigner. Injection de morphine. Oui, d'accord. Des mines. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Bonjour. Voilà la porte dont je vous parlais. On revient ici après l'avoir ouverte. Si on y arrive. D'abord, on entre dans le bâtiment du Nexus. Oui, d'accord, oui, oui. Attention! Par là. T'es con à nous bloquer comme ça aussi, toi. Vous ne touchez jamais ce truc d'ici, Gordon. Il faut l'éteindre de l'intérieur. Intéressant. Très intéressant. Donc, comment on passe maintenant que c'est cassé? Pousse-toi, toi. Hey, dégagez! Ok. Eh, facile, hein. Hop, 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 hop. Allez, là, esquive. Tu me toucheras. Oh putain, qui veut tout dire. Je sais, j'ai, je me rappelle, mais j'ai une mémoire très courte. Hein. C'est qui? C'est le jeu qui a dit oh putain ou c'est moi? Je sais plus. Détrompez-vous, docteur Freeman. Je vais pas si. Laissez-nous sortir! Libérons-les, Gordon, ils pourront nous aider. Attendez, Dr. Freeman, je viens avec vous. Moi j'ai dit oh putain, merde, je m'en rappelle pas quoi. Je regarderai le replay. On est à combien? 1h27? Ouais, ça doit être 1h20, je pense. Salut! Comment on rentre? Eh, donne-moi des soins, toi, le médecin, là. Tenez, soignez-vous. Encore? Bon, et on avance, hein, mine de rien. On avance bien. Je pense que d'ici ce soir, on aura terminé. Pardon, Doc. Oh, ça va me plaire, ça. Ouais, les munitions et tout. Oh, des tourelles. Allez-y, vous avez votre combi CEH.
Moi, je m'occupe de la console de sécurité. C'est-à-dire, genre, je fais comme ça? Faites rouler une grenade s'il vous en reste. Ça fera l'affaire. Bien, je vais ouvrir ça. Ça, ça sent le gros fight de malade. Pardon. Vu la salle. C'était logique. Oh, salut. Oh, des vaisseaux. Ils vont descendre par le toit. Si on veut passer au travers des boucliers. Oh non, les bâtards. Ah, je suis mort. Ouais. J'ai fait du caca. Des vaisseaux. Ils vont descendre par le toit. Si on veut passer au travers des boucliers, on doit détruire les générateurs. Ah non. Est-ce que si je fais comme ça, ça passe? Non. Salut. Ah, j'ai pas le choix, j'ai plus de grenade. Trousse de secours. Barrez-vous, 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 putain! Ouais, non, là j'ai fait n'importe quoi, c'est clair. Hashtag gros noobisme, quoi. Ok, alors, on a quoi là? On a des munitions. Hé! Hey, laissez-nous sortir! Je sais pas, hein. Merde, putain, mais... Dégagez. Connard. On doit désactiver trois générateurs. On commence par celui-là. Prenez une trousse de secours. Ok, plus que deux générateurs. Occupe-le-toi exactement là où nous allons. Ah bon, oh, c'est bizarre ça, tiens. Désolé, je me suis muté en dernière minute pour éternuer. Eh, hey, oh là là. Mais putain, ces bots me rendent complètement fou. Putain. Restons calmes. Soignez-vous. En plein ventre.
mais il y a des trucs là où j'ai pas vu. Ah, voilà des choses intéressantes. Bon. Est-ce que si je fais ça, bah, comme ça. Utilisez les mines contre eux. Pas besoin d'utiliser les mines, moi je te le dis, regarde. Un petit clic droit là, ça suffit. Posez-leur quelques pièges, Gordon. Barre-toi, putain de bordel de merde. Allez, ouvre la porte. Fais-moi le plaisir d'ouvrir la porte. J'ai pas ton. Putain de bot là. Sérieux. Bon, du coup, faut aller par où maintenant? Putain, ces mecs me cassent les couilles. Ouais, mais t'as vu, putain, mais c'est des connards quoi. Hello Slack! Beach quoi. Faut aller par où du coup? Système de sécurité, quelque chose doit valoir le coup. Allez-y, Doc, j'attends que vous l'ayez éteint. Faites gaffe. Tu attends que je l'ai éteint. Connard. Putain, quel connard, franchement. Oula. Voyons voir. Peut-être un truc à faire ici comme ça. Non, bon. C'est le ratage complet. Comment je pourrais monter? Parce que là je suis bloqué. Mais non, mais j'ai rien fait! C'est nul! J'ai juste pris un tableau. Oh, d'accord, super. Magnifique!
Voilà, toujours ces putains de gogoles. Oh là là, sérieusement quoi. Bah attends, on peut faire des trucs là. Salut. What? Eh mais c'est franchement, ce manque de vol quoi. Attention. Ok. Tenez, soignez-vous. Merci les gars. Super. Si tu veux. Faut que j'arrive à grimper, je sais pas où. Je vais pas rester bloqué sur une énigme à la con comme ça quoi, franchement. Franchement. C'est pas possible. Si je mets l'ice cream, bah lui il me voit putain. Est-ce que, à ton avis, si je fais ça comme ça, ça marche pas. Merde. Ah, oh, ça fait chier. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Comment? Oh, oula. Oh, c'est risqué ce que j'ai fait là. Ouais. Je sais pas si c'était ça, mais je l'ai fait. Hein, quoi? Barrez-vous. T'as rebondi pas loin de le moi. Ça y est, ils sont détruits. Ça coupera aussi le champ de suppression sur le toit. Cherchons le toit maintenant, Gordon. Oh là, oh là, oh là, oh là. Doucement les messieurs là. Ça c'est cadeau. Mais où est-ce qu'il tire dessus? Et on se casse les copains. On va sur le toit, on a dit. Sur le toit. Alors c'est par où sur le toit? Yeah,
un problème, toi? Bon, par là, on y est allé. Bah, je pense que ça va être par ici, hein. Oh, oui, des mines. Cool. Salut. Attention! Sur le toit, Gordon. Allez. Maintenant, j'aurais pu. Cherchons le toit maintenant, Gordon. Ouais, je vais y aller dans nos clips, t'as raison. C'est notre porte. Laissez-moi l'ouvrir. C'est fait. Docteur Freeman, je reste ici et je garde les portes ouvertes aussi longtemps que nécessaire. Montez, déployez la passerelle. Il faut que les renforts puissent avoir accès de tous les côtés. D'accord. Si d'autres citoyens arrivent à passer, je vous les envoie. Au plaisir de vous voir, Gordon. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Tac, tac, tac. Allez, tu tombes. Salut, bisous. Oh, les mecs sont vénères, quoi. Alors, bonjour. Nous sommes sur le toit. Eh, hey, salut toi. Quand il est à faire, t'as vu Sissi? Alors qu'est-ce qu'il faut buter? Un hélicoptère? Un tripod? Allez, hey, hey, oh! C'est quoi ce délire là? On a un hélicoptère? Il me faut les roquettes, please, les roquettes. Ok, donc vous avez décidé de pas être gentil avec moi et de ne pas donner de roquettes. Ouais, les mines là. Bah les couilles, je veux des roquettes. Les roquettes, je sais où les roquettes. Oh là là. Comment on ouvre la porte là? T'as plus de roquettes, c'est bon, là. Voilà. Ah bah voilà. Voilà, je l'avais besoin. Oh merde, elle est trop loin. Comment là-bas? Voyons voir. Lui il meurt. Lui c'est un copain. Oh, y'a le tripod! Y'a le tripod! J'adore le tripod. Il fait carrément penser à la guerre des mondes parce que voilà, ils ont aussi ce genre de truc là. Mais non, je fais vraiment pas passer. Bâtard, il s'est barré. Ta fiole!
là. C'était marrant. Ok. Super, merci. Ce sera parfait. Gilbert Montagnier, il te fait, hein, il t'emmerde, voilà, cordialement. Il est très gentil, Gilbert Montagnier. Docteur Freeman, vous avez coupé le champ de suppression et la porte est ouverte. Maintenant, les gens peuvent vraiment passer. Le cartel va sentir la pression. On a laissé un bac de roquettes en traversant la place. Si vous y allez, vous trouverez ce qu'il faut pour descendre les Striders. Les Striders? Ok. Suivez Freeman! Donc les Striders. Ah, ça les Striders? T'inquiète, ici ma gueule. Hey shit. Barre-toi, putain de connard. Sérieusement là. Elles sont où leurs roquettes? Hey, Freeman, ne partez pas couper moi, je recharge.
putain de gogol de merde qui bloque. On va faire comme ça, hein. Toc, toc, voilà. Oh, on est passé. Salut. Je sais pas comment je te bute en fait. Ces bots me rendent complètement fou. Les putains d'attardés. Mais par où je passe, putain de jeu ? Et bah putain, c'était pas gagné hein. Oh non, encore un. Hémorragie détectée. Attention, fonction vitale menacée. Ah bon, j'avais pas remarqué, tiens. J'ai une roquette. Que je fasse avec une roquette et 10 de vie. Oh, elle était magnifique celle-là! Elle était magnifique! Ah ouais, ah ouais, elle est comme ça quoi. Ok. Ok. Bon. Mais c'est maintenant qu'il me le dit quoi. Merci. Saloperie de jeu quoi. Putain. Je t'en mettrai. Hein. Encore. Mais putain, il y a combien. Je crois qu'il est pas content. Je suis là. Attendez, docteur Freeman, je viens avec vous. Mais j'ai pas envie que tu viennes avec moi, connasse.
Mais je sais que c'est par là. Carrément. Bon. Oh non. Sérieusement quoi? Non mais ça sert à rien. C'est comme ça que ça se demande. Voilà, tu vois. Putain, attardé mental quoi. Ouais. Putain mais le bâtard. Ah bah oui, hémorragie détectée, tu m'étonnes. Est-ce que je viens de me manger dans la gueule? Oh non. J'étais pas prêt. Alors, voyons voir. Y'a pas des roquettes? Non? Y'a pas de roquettes. Bon. Bon, on va continuer de monter. Ah, on peut pas. Pardon? Salut! Bah, si on peut monter, mais par ici. Y'a un truc à faire. Voilà. Bonjour. Tu veux être mon ami? Oh le con. Ah date noob. Non, tu me prends en enfant côté. Oh le bug. Mais va te faire enculer avec tes photos quoi. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ça regarde. Ouais, ça marche très très bien effectivement. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Oh, il est parti, fils. C'est le moment. C'est le moment d'accélérer. On accélère. On se cache. Merde. Ça, c'était gentil. Mais d'un autre côté, c'était pas ici. Que je le bute. Voilà, il y avait qu'à demander. Je
va te faire enculer toi aussi. Ah bâtard, il se couche et tout quoi. Wouhou! Il y a de la vie. De la vie, de la vie, de la vie, il me faut de la vie. Non, il n'y a pas de vie. Bon. T'es où, copain? Pas confiance. Ah, chargement. Bon, on s'en sort, mine de rien, on y arrive. Tout doucement, tout sûrement, mais on y arrive. Docteur Freeman. Ah, je viens avec vous. C'est le foutoir là-bas. Ils ont dû céder les rues aux Striders si près de la citadelle. En les attaquant de haut, on peut sûrement les repousser. D'accord. On arrive au mur de la citadelle, Doc. Je sais pas comment on va percer, mais okay. Vous en êtes si bien sorti jusqu'à présent, vous trouverez une solution. Alors. On doit atteindre le cheval. Je sais pas si on peut le. Non, je peux pas. Et moi je me casse. C'est vraiment une connasse, sérieusement. Moi j'aimerais des roquettes, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. Oh, super. Super. Je crois que je l'ai énervé. putain de bordel. Ah non, je suis caché. Bon, jamais. J'ai dit jamais. Ok, super. Merci les gars.
Eh, vous êtes pas gentil, hein. Trousse de secours. Je pense pas que ça leur fasse grand chose, mais... T'as peur là, qu'est-ce qu'il y a? Me fonce dans le tas comme ça. Il va arrêter. Sortez d'ici, je me sens pas honte, on peut s'emmerder par là. Ah. Attends, super, déjà. Alors, what? T'es où? Mais il est où? Attendez-moi! Ok, donc on a un là. Bon! On peut souffler un peu. Non, ça va, j'avance, t'inquiète. Ah bah c'était par là qu'il fallait passer. Oui, oui, je suis là, bonjour. Oh l'enculé. Eh, alors toi, t'as de la chance. Mais ta gueule, j'en veux pas de t'en joindre. Alors déjà quand il y a deux trucs de vie comme ça, c'est que ça pue du cul quoi. Ah ouais, ah ouais! C'est comme ça qu'il fait. Ok, à nous deux. Prenez
Oh, ça va, j'ai vu. Bon, allez, on peut souffler un peu. Attendez, Dr. Freeman, je viens avec vous. Non, mais. Tenez, trousse de secours. Envie que tu viennes. Par contre, je veux bien que tu me soignes, toi, connasse. Sinon, je te bute. Par où qu'il faut passer? Bon, là j'ai tout vidé. Je reste comme ça, sérieux? Apparemment. Ouais, copain, allez. Cité 17, nous voilà. Le chien est arrivé sur la place en se cognant sur les murs et je pense qu'il cherche Alix. Je crois qu'il s'est mis dans la tête qu'elle est dans la citadelle. Je pensais qu'Alix voudrait lui éviter des ennuis, mais celui-là, quand il a une idée en tête. Chien, pas ici, tu ne peux pas passer par là. Bah si, il peut. Ça, c'est le comble. Je pense qu'il veut que vous passiez, Gordon. Dépêchez-vous. Et si vous voyez le docteur Breeze, dites-lui de ma part, allez vous faire. Nos bienfaiteurs. Ok. Bon. Une chose est sûre, on n'est pas loin de la cité. Je pense que ouais, faut faire comme ça. On est pas mal comme ça. Ensuite, toc. Par là. Attends, je suis en train de me faire chier pour rien en fait. Toc. Ah bah non, si je me fais pas chier pour rien. Ah bah si. Oh lol. C'est quand même bien sombre comme atmosphère. Celui-là.
plus que deux actes. Ah. Merci de l'info. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux yeux. J'ai mal aux yeux, je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment mal aux yeux. Alors, intéressant, intéressant. Hashtag, c'était le moment de nettoyer vos écrans si vous voyez des taches noires. À votre avis, servent à quoi les tuyaux là, comme ça, les transparents, ou même ceux-là? Ah, c'est là où on va avoir le truc super génial que j'adore. Surprise. Oh merde. Yeah, on arrive au bon moment, le moment que j'adore. Enfin, j'aimerais dire que c'est une bonne surprise, mais ce n'est pas une surprise du tout, et encore moins une bonne surprise, n'est-ce pas? Je suis simplement quelqu'un de pragmatique. Je suis le maître! Allez, tiens, moi j'arrache tout, voilà, je fais le ménage, là, il est pas bien ce PC, il est nul. SV Shit 1, ouais, mais c'est carrément ça, quoi. Allez, suivant. Ah.
Salut les copains, salut les copains. Docteur Freeman, dans d'autres circonstances, j'ose espérer que nous aurions peut-être pu travailler ensemble dans une atmosphère de confiance et de respect mutuel. En jugé par votre bref passage à Black Mesa lorsque j'étais administrateur, vous auriez pu devenir un élément prometteur et productif pour la recherche scientifique. Pourtant, je ne comprends pas ce qui vous arrive. Moi, ta gueule, allez, c'est bon. Voilà, dégage. M'en bats les couilles de ta tronche. Ah. Si vous avez un écran à nettoyer, les gars, c'est maintenant. Oh, c'est trop marrant. Allez, va jouer avec tes potes, quoi. Hop là, voilà, va dedans. Va dedans, les potes. Et pas, va dedans aussi. Oh, c'est trop drôle. Tiens, tu vas aller dedans. Tiens, va dedans aussi. Je dis va dedans. Hop, voilà, tiens, hop, toi aussi va dedans, voilà, parfait. Suivant. Ah, un client. Bonjour. Suivant. Hop, tiens, viens par là aussi, toi. Voilà, merci. Allez, suivant, encore 5, et j'ai un succès. Allez là, viendez les copains. Me forcer. Non, je peux pas aller chercher. Non, je peux pas, putain. Ah ouais, non, mais la violence du machin, c'est. C'est trop marrant. Eh, y'a pas des victimes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merde. Super génial. Non, j'ai dit. Tu dégages. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, ensuite, il faut aller par où? Par là. Alors, t'as la violence du gun, mais t'as aussi la violence du rechargement du gun, qui est complètement what the fuck. Alors, ça vient avec moi. Ah non! Bon, j'ai voulu faire nymphe. Ah, mais attends, je peux charger ici. Merci. Messieurs, bonjour. Va dedans, quoi, voilà, allez. Tiens, toi aussi, voilà, hop. Alors, j'ai eu mon succès, atomisateur. Désintégrer 15 soldats en les jetant dans un champ de boules du cartel. Cool. Alors, on va se recharger. Ok, le russe, j'ai rien compris. Donc, je te théo, parce que tu le vaux bien. Bisous. Alors, il faut aller par là. Allez, parle. Non, bon, tant pis. La violence du Théo aussi. Hein. Continuons notre épopée. C'est en partie la faute de vos mentors.
Je suis bien plus déçu par Ellie Vance et Isaac Kleiner que triste pour votre malencontreux choix de carrière. De toute façon, vous n'auriez pas pu faire autrement. Qui sait ce qu'ils ont pu vous inculquer lorsque vous étiez jeune et naïf? Même si pour leur part de responsabilité dans les problèmes récents, c'est vous seul qui avez délibérément agi avec mépris envers les générations futures. C'est qui le patron ? Yeah. Et allez, tiens, voilà, tiens. Data. Quoi, qu'est-ce que ça ? Oh, il a spawn. Ah, ils ont spawn devant mes yeux, tiens, voilà. Il parle en porte-fenêtre. Allez. J'aimerais monter s'il vous plaît. Mais c'est où ce truc là ? Ah mais c'est toi, mais attends, viens, regarde. J'ai un cadeau pour toi. Regarde. Ça te plaît ? Oh putain. Et ta sœur, bâtard! Tiens! Voilà! Voilà, allez, c'est bon, tiens, dégage. Oh. Oh merde, ça doit faire mal. Alors. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
voici. J'ai jeté les bases de la survie de l'humanité, non pas telle que nous la définissons, mais l'humanité dans un sens beaucoup plus large, inimaginable, dans un sens que nous pouvons seulement entrevoir. Ah, moi je casse tout, voilà, je suis pas le bricoleur. Moi. Ah, les copains! Mais je suis mort, mais ouais. C'est pas grave, on recommence en mieux. Moi-ci, j'ai jeté les bases de la survie de l'humanité, non pas telle que nous la définissons, mais l'humanité dans un sens beaucoup plus large, inimaginable, dans un sens que nous pouvons seulement entrevoir. Oh là là, sérieusement. Comment tu le butes ? Moi-ci. Balancer des bouboules dans la gueule, ok. Moi aussi, j'ai jeté les bases de la survie de se cache, je recharge mon sprint. Et c'est parti. Mais non, mais tu peux pas m'écrabouiller comme ça là. Y'a des bouboules derrière, tu peux pas. Mort imminente. Ah bah j'avais pas remarqué, tiens. Moi aussi, j'ai jeté les bases de la survie de l'humanité. Ça lui fait rien les bouboules. Oh bah putain. Ah oh, c'était chaud quoi. Voilà, voyez ce que vous voyez. Cela en vaut toute la peine. Je vois de toute façon, donc c'est parti.
serait pour aller buter le chef, s'il vous plaît. Donc son bureau, merci. Oh, t'es mignon, toi. Merde, je vais pas passer le laser. Zut. Bon bah, salut. Ouais, dernière ligne droite, ça je me souviens, ouais. Oh, ils sont mignons, eux. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là, bien fait. Tu m'étonnes. Énergie vide. Bon bah voilà. On y est, c'est la fin. Salut mec. Non, c'est mon jouet. Culé va. Je m'en occupe. Ça ne sert à rien de lutter. Tant que vous n'êtes pas là où il veut, il n'y a rien à faire. Suceuse de bite. Désolé, Gordon. Entre les membranes où les dimensions se croisent, impossible à décrire avec notre vocabulaire limité. Ce que j'ai vu est aussi inqualifiable, Breen. Un génocide, un mal indescriptible. Oh mon Dieu. Eh bien, si ce n'est pas Gordon Freeman, enfin. Qu'est-ce que c'est? Apposez ça là-bas. Recevez ma gratitude, docteur. D'abord, vous me conduisez jusqu'à mon plus vieil ami, puis vous vous livrez. Si j'avais su que vous viendriez directement à mon bureau, je n'aurais pas pris la peine de vous pourchasser. Je vous ai tous les deux sous mon emprise. Je peux négocier n'importe quel marché avec le cartel. Docteur Breen, Wallace. Oui, Judith, qu'y a-t-il ? C'est pour la vie d'Elie qu'on devrait conclure ce marché, pour qu'il poursuive ses recherches. Grâce à vous, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Vous êtes plus que qualifié pour finir ses recherches seul. Aucun de nous ne peut convaincre cette racaille dans les rues d'abandonner sa lutte insensée. Mais Elie refuse de prononcer les mots qui les sauveraient. Les sauver ? Pourquoi ? Elie... Si vous ne faites pas votre devoir pour le bien de tout le monde, peut-être le ferez-vous pour l'un d'entre eux. Alix, mon ange. Papa. Gordon? Non. Bon sang, Breen, lâchez-la. Tout dépend de vous, mon vieil ami. Laisserez-vous votre étroitesse d'esprit condamner notre espèce, ou... donnerez-vous à votre enfant la chance que sa mère n'a jamais eue? Comment osez-vous parler d'elle? Ma chère Alix, vous avez les yeux de votre mère, mais vous êtes têtue comme votre père.
Et vous n'avez encore rien vu? Vraiment? Voyons si cela vous sera utile de l'autre côté d'un portail du cartel. Allez-y, Bryn. Si c'est le pire que vous puissiez faire, téléportez-nous. C'est loin d'être le pire. Mais une fois là-bas, ce sera difficile à croire. Ce n'est pas nécessaire. En effet, c'est un tel gâchis. Heureusement, la résistance est prête à accepter un nouveau leader. Et celui-ci est un pion docile pour ceux qui le contrôlent. Non! Ne l'écoutez pas, Gordon. Qu'en pensez-vous, Dr. Freeman? Saviez-vous que votre contrat était ouvert aux plus offrants? Gordon n'aurait jamais rien négocié avec vous. Je comprends si vous refusez d'en parler devant vos amis. Si je peux sortir et te défoncer la gueule, oui, je veux bien. Ne te débats pas. Papa, je suis vraiment désolée. Alex, mon cœur. Judith, mais qu'est-ce que vous faites? On fait ce que je n'aurais pas pu faire toute seule. On vous arrête. Oui. Garde, allez-y. Ils savent que vous les avez trahis. Ils vont se retourner contre vous. Judith, Dr. Mossman, pitié! Désolé, Wallace. Vous arrivez trop tard. Non. Vite! Papa, tiens bon! Imbécile! Attention, il non va! Non! Ouais, mais t'es con aussi, là. Hein? Franchement. Enculé. Papa. Oh non, non, ne t'en fais pas pour moi, mon ange. Pas le temps, Alex. Il va arriver au portail. Vous aurez besoin de ça. Docteur Mossman, Judith, prenez soin de mon père. Il est craint. Vas-y, moi je veux tripoter, là. Papa, ce n'est pas un adieu. Jamais. Venez, Gordon. Allons-y. Eh, hey, tu me dis ça, je suis déjà dans l'ascenseur. C'est à toi de venir, connasse. On ne se connaît pas beaucoup, mais... T'inquiète, je vais te baiser après. Je non. sais que vous n'étiez pas obligé. Allez, là. Je devais sauver mon père, mais vous... Ah, moi, okay. Ah, non, monte. Merci d'être venu avec moi. Mais de rien. Et, écoutez... Tu seras tout à l'heure. C'est lui. Le voilà. Oh, d'accord. S'il le faut vraiment, vite. Il est derrière moi. Bon sang. Allez, donne-moi mon jouet. Voilà, tiens, bâtard. Bon sang, encore. Le pistolet. Il n'en sait rien du tout, en fait. Je me demande où il va. Je veux bien un ascenseur, s'il te plaît. Oh mon dieu. Ah oui. C'est le réacteur à fusion par levier de la citadelle. Il fait fonctionner le dispositif de creusement. Une chance comme ça ne se représentera plus. Il faut qu'on arrête le docteur Bryn. Oui, bah oui. Il faudrait que tu me libères, connasse. Allez, on casse ça et on a gagné. On dirait qu'il a pris le contrôle de l'autre monde. Allez dans le noyau et faites ce que vous pouvez. Oui. C'est ce que j'allais faire, hein, t'inquiète pas. Je vous laisse passer. C'est ce que j'allais faire aussi, t'inquiète pas. N'oubliez pas de recharger votre combi. C'est ce qu'elle est déjà faite, mais c'est ce que j'allais faire sinon. T'inquiète pas. Allez-y, Gordon. Mais... soyez prudent. Mais je reviens, connasse, t'inquiète. Oh là là, c'est pas possible. Alors... Vous ne devriez pas rester là. Au moment de la synapse, lors de ma téléportation, cette pièce sera baignée de particules mortelles que la science veut encore nommer. Quand j'aurai le temps de m'atteler à cette tâche, je leur donnerai peut-être votre nom. Ainsi, vous ne tomberez pas complètement dans l'oubli. Quand la singularité s'effondrera, je serai loin d'ici. Dans un autre univers, en réalité. Vous, par contre, serez détruit de toutes les façons imaginables et même inimaginables. Mais qu'est-ce que... Ah non, les soldats du cartel. Tout
Ouais, regarde ce que j'en fais, moi j'ai soldat là, tiens, voilà, les gars là. Allez, tiens, ça c'est cadeau. Ouais, c'est cadeau. Oh le bâtard! La 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 la. Bonjour! Quoi? Oh non, pas lui là. Oh non. Oh le bâtard, il est passé à côté. Je peux pas m'en charger là? Non, pas, ouais. J'ai pas le droit de me charger en fait. Oh le bâtard, il a explosé le bâtard. Bon, à nous deux. Vous avez tant accompli en si peu de temps. Vous avez si bien réussi, en fait, que j'ai reçu quelques propositions intéressantes pour vos services. En temps normal, je n'y penserais pas, mais cette époque n'est pas commune. Plutôt que de vous offrir l'illusion du choix, je prendrai la liberté de décider pour vous. Si et quand votre heure doit venir de nouveau. Je regrette cette décision qui doit vous sembler bien arbitraire, Dr. Freeman. Mais je suis persuadé que vous comprendrez au cours de... Eh bien, je ne puis vous en faire part. En attendant, je m'arrête ici.
Bon, et bien voilà, c'était Half-Life 2 en 3 parties, du coup, ce qui nous a fait 4 et 3, 7. Bon, on a fait, ça fait 10 heures, voilà, 10 heures de à peu près. Parce que ça fait 3 heures là que j'ai lancé le stream. Donc en 10 heures, en étant quand même tranquille, ah, j'ai le droit confiant, ouais. Donc du coup, il est quelle heure là? Il est 18h je pense. Ouais voilà, il est 18h. On se retrouve donc pour Half-Life 2 épisode 1 samedi prochain. Half-Life 2 épisode 1 samedi à 14h30-15h. Et puis puis voilà, puis une fois qu'on aura fini l'épisode 1, eh bien on fera le épisode 2. Et une fois qu'on aura fini les deux, bah on se fera chier parce qu'on n'aura plus rien à faire. Voilà, voilà, je vous laisse profiter du superbe générique. Je peux le zapper ou pas le générique? Je vais sauvegarder, voilà, tac, sauvegarder, super. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis rendez-vous samedi. A bientôt! La mort? La mort? Satanée bestiole! Où est-elle passée?